je vais tout balancer sur l'état de santé de Céline Dion. Céline Dion, ça va pas fort apparemment. Oh, elle a des problèmes de santé. Et si, et si. Et c'est Eric Benzi, son arrangeur. On le connaît tous, Eric. On lui fait des bisous. Il nous écoute tous les matins. Il s'est expliqué à ce sujet. Il a dit, ça s'améliore. Il faut du temps. C'est pas simple. Mais elle m'a dit, je ne suis pas prête pour chanter. Pour lui, en raison de ses soucis vocaux, elle n'est par conséquent pas encore assez en forme pour faire quelque chose. C'est vrai que Céline Dion, voilà, ça fait très longtemps qu'elle n'est pas remontée sur scène, très longtemps qu'elle n'a pas ressorti un titre. Il y a juste un morceau qui est dans la bande originale d'un film qui vient de sortir au cinéma dans lequel elle joue. Mais c'est vrai qu'on s'inquiète beaucoup sur son état de santé. Donc reste à savoir si la situation va s'améliorer pour elle d'ici 2023. Il y a plein d'échéances qui l'attendent et on espère qu'elle va remonter sur scène. Elle était tout le temps à Vegas avant Céline Dion. Non, mais c'est pour ça que je pense qu'elle a, elle a trop poussé. Bon, moi, je sais pas vous, moi, je suis fan de Céline Dion. J'ai envie de vous demander votre chanson préférée de Céline Dion, Diane. Bah, moi, vous le savez, c'est ma reine. Céline Dion, c'est tout pour moi. Et ma chanson préférée, c'est J'irai où tu iras. Mon pays sera toi. J'ai un copain qui tient un bar à Vannes qui s'appelle Les Valseuses. C'est Jojo, si jamais il nous écoute. Et quand, quand ils mettent cette musique, J'irai où tu iras, toutes les filles elles posent leur verre, elles montent sur la table et elles hurlent. C'est bien incroyable. Sûr, c'est un classique de soirée, ça. Avec cette musique, quoi qu'il arrive, la fille, tu la connais pas, c'est ta meilleure amie. Ouais. Et voilà, c'est un classique. Toi, mon Fabounet, c'est quoi? Moi, c'est en fait, c'est un truc qui est revenu grâce à la Starac, c'est Ne partez pas sans moi. Ah ouais? Tellement. Ça avait gagné l'Eurovision, ça, je me souviens. Non, Diane, s'il te plaît. J'ai chuchoté pour que ça. Non, elle est déjà assez malade comme ça, Céline Dion, merci. Oh. Moi, ma chanson préférée, c'est un duo avec Garou, Sous le vent. C'est un peu le Garou de ma Céline, hein, Guillaume. Pardon ? C'est un peu le Garou de ma Céline. C'est-à-dire ? Bah, nous deux, c'est un bon duo. Non, mais attendez, les deux là. Le Garou de ma Céline, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Quoi ? Ça va pas. Non, mais attendez. Écoutez, excusez-moi, Diane, elle en est à son sixième ponche, elle en peut plus, elle est dans sa chambre en galère à 3h du matin. Elle t'a fait une déclaration d'amour. Non, le Garou de ma Céline, ça veut dire quoi ? Non, mais tu sais, souvent tu dis que t'es le binôme d'un autre, enfin, pour bref. C'est pour dire qu'en gros, tous les deux, on a un bon duo. Ouais. D'accord. Bon. Et tu sais que. Je sais pas quoi répondre à ça. C'est un couple qui ont commencé par un duo d'ailleurs. Non, non, non. Bon, merci Diane en tout cas. Et merci à tous. Bravo. Le Morning sans filtre sur Virgin Radio.